construire selon les règles et les normes pour éviter le pire, c'est un combat que mène l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant de ruines. L'Agence a tenu la première réunion de son conseil d'administration, une rencontre présidée par le ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Pour cette année, 10 millions de dirhams seront mobilisés pour mener à bien les missions de l'Agence, dont les activités vont désormais reposer sur des moyens juridiques. Je vous propose d'écouter Abdelahad Fassi Ferri, le ministre est revenu sur les enjeux de cette toute première session. Nous comptons donc sur cette agence pour ne pas être uniquement dans une logique de réaction sous la pression de l'urgence, mais qu'on ait des plans d'intervention et que nous anticipons les problèmes. Voilà, donc cette agence est appelée à d'abord mettre en place ces structures, mais à faire un certain nombre d'études de rénovation urbaine, mais également commencer à réaliser un certain nombre d'opérations très concrètes sur le terrain dans un but de formation et d'accumulation d'expérience de ces cadres.